avec moi ? Super. Allez. On arrive. Vous savez, moi j'ai fait des vieillissements, hein, genre Edith Piaf. Ah, la môme ? Non, non, docu-fiction en Belgique. Ah. Donc pour une grosse agression, il me faut 2 heures. 2 heures et demie. D'accord. Il faut bien tuméfier le visage, faire des bleus bien différents. Super. Et des ouvertures avec du sang qui a séché, quoi. Donc ça, pour un film, je le facture 5000 euros hors taxe. Quoi ? Super. Non, mais enfin, c'est, mais c'est beaucoup trop cher pour une idée de merde. Clem, j'ai vraiment besoin qu'il croie que je me suis fait défoncer la gueule, faut que ce soit hyper réaliste. Encore une idée de Loki, ça. N'empêche, il était fort pour ça. C'est clair. Que de la merde. Non, c'était moi, ça, encore. Quoi ? Non, mais rien. Non, mais j'hallucine, là. Sérieux, les gars, vous êtes en train de me péter mes souvenirs. Ça a toujours été Loki, 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 Loki. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai pas donné de nouvelles, moi. Parce que tout ce que je faisais, tout ce que je disais, dans tous les cas, c'était pour copier Loki ou faire mieux que lui. Et du coup, je passais toujours pour le mec jaloux. Et ben, quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé des amis, des vrais, qui me considéraient tel que je suis et qui me comparaient pas avec d'autres. Et j'ai trouvé une place. Et j'étais bien, voilà. C'est ça la vérité. Merde! Excellent, c'est ça. Oh! Tu descends à la cave quand même, hein? Dis donc, c'est pas parce que tu vas te faire sucer qu'il faut pas être solidaire? C'est vulgaire! Sale pute! Moi j'aime l'amour. Alors je suis désolé, tu descends toi à la cave, t'as 30 ans, viens entre! Non! Je descends pas à la cave! Je descendrai pas! Je veux pas! Mais j'ai besoin de mon stylo! Tout ça pour un stylo! T'as promis? T'as promis? Et ben maintenant, je te promets que je peux pas le faire. Je suis en retard. Alors affronte tes peurs, tu descends aux enfers, il y a de la lumière et il y a du réseau. Tu sens cette odeur aigre, pinçante. Je dois prendre une douche. Alors j'ai un message pour vous qui n'aimez pas la pulpe. Vous les bannis, vous les oubliez, vous les laissez pour compte. On s'est bien remué et j'ai l'immense honneur de vous annoncer... On n'a rien à secouer. Tu veux que je te mette une note? Bah, je veux bien, oui. Sur 10 ou sur 20? Sur 10. Ok. 6. 6? Bah, c'est mieux que la moyenne, hein. Je peux récupérer mon pied? C'est fragile. Au revoir, Christine.